longitude 180. La chronique de la mer et des océans de Fréquence Terre, Daniel Krupka. Bonjour, dans votre chronique longitude 181, aujourd'hui nous avons le plaisir de rencontrer une très jeune personne. Elle s'appelle Ondine. Bonjour. Ondine, peux-tu nous présenter ta passion et qui tu es ? Alors, je m'appelle Ondine Elliott, j'ai aujourd'hui 18 ans. J'habite dans l'Oise, à côté de Beauvais. Et donc, j'ai une passion depuis que je suis petite. À l'âge de 11 ans, j'ai découvert les requins. Je pensais, comme la plupart des gens, que c'était vraiment des mangeurs d'hommes, des bêtes sanguinaires, voilà, comme on le montre à la télé. Et en fait, j'ai découvert tout l'inverse. Dans un magazine, j'ai découvert que c'était pas des mangeurs d'hommes, que c'était vraiment des animaux incroyables, qu'ils avaient des choses extraordinaires, par exemple un sens de plus que les autres animaux, plein de petites choses comme ça qui m'ont surprise. Et surtout, j'ai vu des images choquantes du massacre des requins qui m'ont vraiment bouleversée. À 11 ans, je pensais pas qu'on pouvait faire ça à des animaux. Et donc depuis, j'ai décidé d'agir. Donc à 11 ans, j'ai créé un blog où j'ai essayé de réécrire tout ce que j'avais appris sur les requins et surtout en montrant aux autres enfants que je connaissais qu'ils étaient en danger et qu'il fallait les sauver. Et donc ensuite, j'ai créé une association qui s'appelle Passion des requins. Et depuis 6 ans, on fait des stands comme ici au Salon de la plongée, on fait des expositions, beaucoup de conférences et débats, et surtout avec des enfants, pour leur montrer que les requins ont besoin de nous et qu'il faut absolument les protéger. Alors Ondine, je sais que tu fais des conférences. Est-ce que tu pourrais nous parler des deux aspects du requin? Et je me souviens notamment de l'aspect requin nounours ou alors requin mangeur d'hommes. Ah oui, c'est une conférence que j'avais fait l'année dernière au Salon de la plongée avec François Sarano. Donc ça s'appelait requin nounours et puis à l'autre côté requin garou, requin mangeur d'hommes. Le but c'était de démentir justement l'image du requin en montrant que voilà, d'un côté tout le monde le traite de requin garou, donc requin dangereux, un peu comme les loups-garous, voilà l'image qu'ont les loups, un peu comme une bête sanguinaire qui va dévorer les humains. Et c'était pour démentir ça. Et puis l'autre côté, requin nounours, c'est-à-dire qu'il y a des gens sur la Terre qui font tout l'inverse, vont aller sous l'eau, caresser les requins, leur faire des câlins. Et c'est pas aussi forcément ce qu'il faut faire pour montrer que les requins sont pas un mangeur d'hommes, parce qu'il peut y avoir aussi des accidents parfois avec ce genre de comportement envers les requins. Donc c'était à la fois pour démentir le comportement des requins qui est complètement faux vis-à-vis des hommes, et c'est pas du tout des mangeurs d'hommes, et à la fois pour montrer qu'il y a d'autres moyens pour montrer justement que c'est pas des mangeurs d'hommes, pas forcément en allant en leur contact et en les caressant, mais en faisant des expositions, des conférences, tout ça pour démentir tout ça. Dans ces conférences notamment, tu démontrais que du point de vue journalistique, il y avait énormément d'articles qui publiaient une version très menaçante du requin. Est-ce que tu peux nous en dire plus, expliquer un petit peu ce propos ? Oui, donc pendant cette conférence avec François, on avait justement parlé des articles de presse qui sont complètement mensongers. Donc, par exemple, il y avait un article sur un pêcheur qui avait été mordu par un requin. Donc en gros plan, il y avait écrit « pêcheur mordu par un requin », je crois que c'était en Espagne ou au sud de la France. Il y avait écrit ça en gros plan de l'article. Et en fait, quand on lit l'article, pas du tout. Donc les gens, forcément, eux, ils disent « Ah, il y a un pêcheur qui a été mordu, voilà, encore une attaque de requin, un accident avec un requin. » Alors que pas du tout, en fait, le pêcheur avait pêché le requin. Donc il avait ramené le requin encore vivant sur le bateau. Et là, par maladresse, et je ne sais pas trop comment ça s'est passé, il a essayé de s'approcher du requin et le requin s'est défendu, forcément. Il était sur le bateau, il savait qu'il allait mourir. Enfin, c'est vraiment un accident complètement bête. Et tous les gens qui ont lu que seulement le titre, et derrière, encore une fois, dans leur image, c'est vraiment le requin qui est le mangeur d'hommes qui a attaqué l'humain. Alors il y avait également, je pense, des photos qui étaient très suspicieuses, notamment avec des requins qui allaient dévorer des surfeurs qui sortaient de l'eau, si je me souviens bien. Oui, on avait montré justement un article qui montrait en couverture du magazine, des requins qui allaient jusqu'au bord de la plage pour attaquer les hommes. Donc c'était un montage, forcément, c'était de la science-fiction, c'est vraiment n'importe quoi. Mais les gens, quand même, souvent, ils y croient, ils ont tellement l'image du requin mangeur d'hommes que même ça, ils n'arrivent pas à voir que c'est un montage et que c'est complètement truqué. Alors, Ondine, aujourd'hui, tu as 18 ans, ça veut dire que ça fait 7 ans que tu œuvres pour les requins. Quelles sont les grandes difficultés que tu rencontres encore aujourd'hui dans ce milieu-là et auprès du grand public ? Disons que l'image de mangeur d'hommes commence à changer un petit peu. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sensibilisés par rapport à ça et qui commencent à comprendre que voilà, les requins, bien sûr c'est des prédateurs, il faut faire attention, mais c'est pas des mangeurs d'hommes comme dans le film Les Dents de la Mer, pas du tout. Donc au moins ça change un peu, mais il y a quand même des gens qui arrivent sur mes stands qui disent « mais vous êtes complètement folle, les requins faut les exterminer, c'est des bêtes sanguinaires, ils nous tuent ». Et des fois, c'est parfois difficile d'expliquer ça, mais je le fais quand même depuis 7 ans et je m'en lasse pas. J'ai vraiment envie que cette image change
Et surtout, j'essaye de montrer voilà, qu'ils sont en danger parce qu'ils sont tellement importants pour nous. Et ça, les gens ne le savent pas. Il y a très peu de gens qui savent que le requin il est au sommet de la chaîne alimentaire d'océan, qu'il est vraiment très très important, qu'il régule les océans. Et donc c'est aussi l'aspect que je veux montrer principalement lorsque je fais mes combats pour les requins. Alors quelle est l'expérience la plus négative que tu as pu rencontrer justement au travers de toutes ces années? Je pense pas avoir rencontré d'expérience très négative. Je pense que déjà mon âge m'a beaucoup aidée. Quand j'étais petite, les gens m'ont beaucoup accueillie en voyant ce que je faisais à l'âge de 11 ans. Ça m'a beaucoup aidée à développer mon association parce que les adultes ont été surpris de ce que je faisais. Donc je pense que j'ai beaucoup eu plutôt des côtés très très positifs dans ce que j'ai fait et beaucoup de gens qui voilà, ont débarqué sur mon stand et ont dit « je vais vous aider, je vais vous offrir un stand quelque part dans mon festival ». Voilà. Après, les côtés négatifs, j'en ai eu très peu. Juste voilà, des gens qui arrivent et qui me prennent un peu pour une folle et qui ne comprennent vraiment pas. Je pense qu'après, les quelques côtés négatifs que j'ai eus, c'est plutôt dans mon entourage, par exemple au collège avec mes camarades. Lorsque je parlais de ce que je faisais, les autres ne comprenaient pas trop. On m'appelait le requin. Enfin, c'était plutôt pour se moquer de ce que je faisais que m'encourager. Parce qu'ils ne comprenaient pas trop, parce que forcément, ils n'ont pas du tout ce genre d'intérêt. Les jeunes de mon âge sont plutôt dans le cinéma, on va dire les jeux vidéo, tout ça. Et il y en a très peu qui œuvrent pour la nature. Donc quand j'étais petite, c'était un peu compliqué voilà, par rapport à ça. Et je me rends compte que voilà, y avait beaucoup de collégiens qui n'avaient pas du tout les mêmes pensées que moi par rapport à ça. Et qu'ils n'avaient pas le même regard que celui que j'ai sur la nature. Et par contre, en revanche, les enfants, quand je fais des expositions aux primaires, tout ça, ils sont beaucoup plus réceptifs. Ils ont un peu peur du requin, mais ils ont envie de découvrir l'animal que c'est. Donc je pense que les primaires ont beaucoup plus envie de découvrir la nature que les gens de mon âge. C'est un peu dommage, malheureusement. Mais je pense que ça changera et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de choses quand même dans les collèges, malgré le fait que des fois on soit moqué de moi. Ou même dans les lycées, j'ai continué quand même. Donc ça veut dire que les jeunes générations aujourd'hui seront sans doute plus sensibles à la cause du requin que les générations actuelles et passées qui ont été destructrices finalement ces 30 dernières années. Je pense que mon but principal c'est ça, c'est vraiment de faire la sensibilisation par rapport à la génération future, donc ma génération, qui va, j'espère, être différente de celle d'aujourd'hui qui massacre des requins sans même penser à l'avenir. Et qui ont peur des requins et donc qui ne posent même pas la question de s'il faut les garder ou pas, tellement ils en ont peur et ils n'ont qu'une envie, c'est de les exterminer. Donc mon but, c'est ça, c'est de changer ma génération pour que plus tard, il ne se passe pas ce qui se passe aujourd'hui avec les requins. Alors on peut peut-être dire un mot de ton actualité et notamment de l'application que tu as lancée. Oui, donc on a créé une application. Donc c'est sur la même base que notre site internet sur Passion des requins. Sauf qu'en plus, en fait, chaque jour, on va mettre des informations quotidiennes sur les requins, sur la pêche, la pollution aussi des océans, sur tout ce qui se passe au niveau des océans et des requins. Donc c'est vraiment pour que tous ceux qui ont téléchargé l'application aient des informations quotidiennes sur leur portable. Il y a aussi notamment beaucoup de fiches espèces pour tous les plongeurs qui, par exemple, sont plongés sur leur bateau. Ils ont juste à regarder leur portable. Le moniteur va dire « vous allez voir cette espèce-là » et puis ils vont regarder pour voir si cette espèce-là est dangereuse potentiellement pour l'homme, comment il faut réagir avec cette espèce. Et c'est aussi un réseau par rapport aux requins et aux océans parce que on parle aussi d'autres associations comme la Sea Shepherd, comme Longitude 181, comme d'autres associations qui se battent pour les océans et pour les requins. Et c'est vraiment pour que tous ceux qui ont l'application, dès qu'ils voient qu'il y a une action quelque part, ils puissent s'y rendre, ils puissent les soutenir. Voilà. On peut peut-être rappeler le nom de ton site. Donc c'est passiondesrequins.fr, le nom du site de l'association. Eh bien écoute, merci beaucoup Ondine, on te souhaite bonne chance. Déjà merci à vous pour cette interview, j'espère que ça a quand même touché beaucoup de gens et que les gens vont se rendre compte de l'importance du requin, qu'ils vont aller peut-être plus s'informer sur le requin. Et puis si je peux te dire un dernier truc, c'est que vraiment le requin est indispensable. Si on tue les requins en gros dans quelques années, ce sera à nous d'y passer quoi, ils sont tellement importants qu'il faut absolument les protéger. La valeur n'attend pas le nombre des années. Cette vérité se trouve vérifiée une fois encore dans le monde de la préservation de l'environnement. Ondine Hélio, au travers de sa passion des requins, nous montre qu'un engagement individuel est une pierre à l'édifice à construire ou à préserver. Un exemple à suivre pour les jeunes et pour les moins jeunes. Et je rappelle l'adresse de son site web passiondesrequins.org. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.